Voici Lisa Delmoitier. Vous n'auriez pas fait un film sur le karaoké comme ça, vous? Ah non, non, pourquoi? Non, j'aurais pas fait ça comme ça. Le jour où on parle d'un film où ça pousse la chansonnette, où ça s'époumonne, j'ai la voix cassée. Oh, c'est vrai, c'est pas le seul con, si j'ai bien compris, c'est pas le biopic de Carla Bruni. Hein, non, pas moyen que je m'en sorte avec dommage. Ça. Non, dans karaoké, Claudette Agbo, Michel Larocque, vous donnez de la voix, et la mienne, bah, elle fout le camp. Et même pas à cause d'une soirée karaoké où je me serais éclatée en plus. Non, il s'est rien passé. Je crois que c'est juste Dieu qui a entendu mes chroniques et qui a dit « Bon, Lisa, ta gueule, hein !» Je crois qu'on t'a entendu. Vraiment, c'est quoi cette voix? On dirait que j'ai fumé tout le week-end, mais même pas, quoi. J'ai les conséquences nulles de la clope sans le plaisir d'avoir fumé. J'ai l'impression d'être la Vierge Marie quand elle a compris qu'elle était tombée enceinte sans le plaisir d'avoir pu baiser, quoi. Un marmot, même pas d'orgasme, c'est pas le truc. Bref, assez parlé de ma voix. Parlons des vôtres. Hein, dans Karaoké, Michel, vous incarnez une chanteuse d'opéra qui détruit sa carrière à cause d'une nuit trop arrosée et filmée à son insu. On le sait, hein, c'est dangereux de picoler quand t'es connu. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté de boire. Maintenant, il n'y a plus qu'à être connu. Non, mais je suis prête, hein, vraiment, je suis dans les starting blocks. Tout le monde le sait, la vérité sort de la bouche des enfants et des gens bourrés. Moi, quand je veux connaître les secrets dans une famille, j'arrose le petit dernier. Oh là là, il n'y a pas plus honnête qu'un marmot imbibé, quoi. Après trois tequilas dans le biberon, t'auras droit à des areux, areux, papa se déguise en femme et maman se tape son neveu. Oula, putain, toutes les infos, là. Donc, bad buzz alcoolisé oblige donc votre personnage Michel se retrouve embarqué par Claudia dans une compétition de karaoké. Tradition qui vient du Japon. C'est vrai. Kara, ça veut dire sang. Et ok, ça vient du mot orchestre. Donc karaoké, ça veut dire sans orchestre. Voilà. C'est pas drôle, mais vous avez appris un truc. C'est bien, c'est bien. Dame, merci. Non, mais surtout, c'est l'inverse en plus. Il y a que l'orchestre et pas les paroles. Ben non, c'est à la base, oui, c'est sans orchestre. C'est bizarre. Il n'y a que dans ton émission. Donc ils n'ont même pas compris comment l'appeler réellement, ouais, en fait. D'accord. Les Japonais sont cons. Michel Larocque vient de réaliser qu'en effet, sans orchestre, c'est une erreur par rapport à la réalité du karaoké. Non, mais j'essayais de tout. Alors j'étais déjà ailleurs, pardon. Je me disais, est-ce qu'au départ, c'était pas juste les paroles a cappella et que c'est devenu autre chose? Le karaoké. Ah non, c'est orchestre, vide. Orchestre vide, ouais. D'accord. Et sinon c'est chronique. Dépose tout ça. On va continuer à parler. Vous avouez que Kara, ça veut dire sang. Ouais. Et donc tout ce passage ici est caravane, ouais. Sans vanne. Okay. Oh, yeah. Merci bien. Dans ma génération, le karaoké est beaucoup plus populaire que l'opéra. Mais moi, je vais vous dire, j'adore l'opéra. Déjà, souvent, les chanteurs sont gros. Ah ben moi, ça m'aide à rêver. Voilà. Non, mais no offense pour les Angèle et les Rihanna, mais bon, quand elle me parle d'amour, j'ai un peu du mal à me projeter, quoi. Sans blague que tu vis le grand amour, toi. T'as le visage tellement symétrique, Valérie Damido s'en sert comme niveau quand elle accroche des tableaux. Mais moi, qui dame au physique convexe, ça me parle pas. Alors que quand je vais à l'opéra, là, j'y crois. Le rideau se lève et bim, je vois une grosse daronne en train de se faire ploter la culotte de cheval par un gros Roberto. Et là, je me dis que ça pourrait être moi, quoi. Roberto, ténor, lui-même en surpoids, lui permettant d'atteindre des octaves presque aussi haut que son indice de masse corporelle. Ben là, je me dis que oui, peut-être, l'amour est universel. Puis bon, les gens disent que l'opéra, c'est cher, mais les bars à karaoké à Paris, c'est devenu super cher. Hein. C'est plus un truc de beauf du tout, l'opéra. Le karaoké. Le karaoké, c'est comme les sacs bananes et les bières à pied, quoi. Ça, c'est grave gentrifié. Maintenant, tu dois privatiser des karaokés box pour être juste entre amis dans une petite pièce. Mais l'âme du karaoké, c'est pas ça. Bah ouais. L'âme du karaoké, c'est de beugler devant des inconnus. Ouais. Vous connaissez l'adage, si t'as massacré pour que tu m'aimes encore et que personne l'a entendu, est-ce que c'est vraiment arrivé? Juste entre potes, c'est pas pareil. Une bonne soirée karaoké, ça finit bras dessus à chanter l'aventurier avec un mec que tu viens de rencontrer. Si tu t'es pas ridiculisé, t'as raté ta soirée. Moi, je vais vous dire, un bon karaoké, c'est comme un bon coït. Hein, si en y repensant le lendemain, t'as pas un peu honte, c'est que t'as pas tout donné. C'est comme cette chronique. Est-ce que je suis fière de toutes les vannes? Non, je vous avoue que quand je sais que 2 millions d'inconnus m'écoutent, le jeu de mots sur caravane, bon, j'en ai un peu honte, mais au moins, bah, ça prouve que moi aussi, j'ai tout donné. Bravo. Elle est où et quand, Lisa Delmoitier, qui retrouvera sa voix jeudi? Jeudi, elle donne tout à la Nouvelle Scène. Elle donne tout.